Yes! Donc voilà la vidéo tant attendue sur le pourquoi, le why et pourquoi c'est important d'avoir un pourquoi. Alors, tout simplement, quand on se lance, que ce soit dans l'entrepreneuriat, il faut une base, un pourquoi. Par exemple, voilà, vous êtes à votre boulot, ça ne va pas, vous en avez marre, vous cherchez une solution, mais vous savez bien que si vous continuez dans le salariat, ça va pas aller, vous n'êtes pas heureux parce que vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous avez envie de cette liberté, vraiment cette liberté d'être bien et tout. Et justement, en fait, votre pourquoi, quand vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est justement que vous n'avez plus envie d'être dans le salariat et vous vous direz, voilà, vous n'êtes pas bien là dans l'entrepreneuriat, votre chef qui vous casse la tête et tout, et vous penserez à lui, quand vous aurez envie d'abandonner l'entrepreneuriat, vous penserez à lui, vous direz, ah ouais, ok, non, c'est pour ça que je le fais, donc je dois me battre pour justement ne pas continuer ça. Donc voilà, c'est le pourquoi. En gros, je vous donne un autre exemple qui est un peu plus parlant peut-être pour les personnes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, c'est simplement, voilà, on va dire que vous êtes obèse. Et voilà, vous décidez d'aller à la salle de sport, pourquoi? Parce que simplement, voilà, vous avez envie de prendre votre santé en main, vous avez envie de vous sentir mieux, d'être mieux dans votre corps. Et la solution, qu'est-ce qu'elle est? Qui dit problème? Obésité, solution, salle de sport, maigrir, faire attention à soi, à bien manger, etc. Alors, c'est sûr que quand vous avez été habitué à pas bien manger, à pas faire de sport, à rester devant la télé, devant Netflix toute la soirée, effectivement, ça va être très 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 compliqué. Alors, dans un premier temps, non, vous aurez la motivation parce que vous aurez envie de changement. Et puis après, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Le temps passe et c'est difficile parce que les résultats ne sont pas visibles tout de suite. En fait, c'est ça le problème, c'est que voilà, les résultats quand on fait du sport, du fitness, c'est que les résultats ne viennent pas tout de suite. Parfois, il faut 3 mois avant de voir un premier résultat. Et c'est long, 3 mois, parce que nous, on est adepte de la gratification instantanée. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de vouloir tout tout de suite. Et on a perdu un peu cette notion de patience, cette persévérance. Et donc, peut-être le premier mois, la personne, voilà, elle va aller, elle va pousser, tout, elle va bien manger, etc. Mais elle va pas avoir de résultats après ce premier mois. Et ça va être beaucoup plus facile d'abandonner, de retourner dans sa vie d'avant avec Netflix, etc. que de continuer de persévérer vers l'objectif. Alors justement, et là est toutes les questions d'état d'esprit et de pourquoi, c'est que si vous avez votre pourquoi, donc si la personne veut vraiment maigrir parce qu'elle se sent pas bien, elle est vraiment mal et tout, là il faudra prendre un coach aussi, ça aidera aussi en tout cas pour pousser, mais il faut pas être tout seul, mais je veux dire que le pourquoi, si par exemple cette personne a vraiment été mal et qu'à un moment elle en a eu tellement marre d'avoir des moqueries peut-être, ou voilà, de ne pas se sentir bien, d'être malheureux et tout ça, ce pourquoi-là sera assez fort pour qu'après le premier mois, même si ça va pas, de continuer, continuer, continuer jusqu'au troisième mois où il y aura, commencera à avoir du changement. Et là, quand la personne verra les changements, sa motivation continuera. Ça, c'est la première chose. Donc voilà, on parlera après de discipline dans une autre vidéo parce que j'ai expliqué pourquoi c'est important aussi d'avoir la discipline. Et pour ces personnes-là, simplement ce qui est bien, c'est d'avoir aussi un coach parce que quand on n'est pas habitué à aller au sport tout seul, c'est compliqué de garder la cadence. Même si on a un gros pourquoi et tout, donc là, avoir un coach qui vous suit, qui comprendra votre pourquoi parce que le coach qui va faire, c'est d'abord écouter votre histoire et pourquoi vous avez commencé, comme ça lui saura exactement où vous aiguiller. Donc très important d'avoir un coach pour ceux qui. Bon, c'est une petite parenthèse parce que je fais aussi un peu de sport, c'est une petite parenthèse par rapport à ça. Et donc dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose, c'est que quand vous avez commencé un projet, vous allez toujours être très motivé au début. Au début, vous allez travailler des heures, des heures, des heures, des heures. Seulement à un moment donné, ça ne va pas forcément toujours se passer comme ça. L'entrepreneuriat, on monte, c'est pas toujours une ligne droite comme ça. C'est les montagnes russes, en fait, tout simplement. Donc il y aura des moments où vous progresserez, des moments où vous ne progresserez pas, mais des moments où vous régresserez un peu. Et c'est là qu'il faudrait être fort et que votre pourquoi soit assez fort pour justement passer, quand vous êtes dans un creux de la vague, monter, remonter sur la planche de surf et remonter la vague et l'affronter. Voilà, tout simplement. Donc le pourquoi, c'est super important. Donc ce qui est important, je répète souvent que c'est important, mais c'est vrai, c'est vraiment important, c'est de se poser tout simplement un jour, vous posez, mais vraiment tout seul, avec un bloc-notes, un bic, et vous fermez les yeux et vous réfléchissez à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Si tout est possible, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez? Alors voilà, vous écrivez exactement. Voilà, moi par exemple, bon, je vais pas vous dire ce que moi je vais faire hein, parce que voilà, c'est personnel. Je pourrais le dire plus tard, mais ici voilà, c'est plutôt vers vous que vous devez concentrer. Mais, par exemple, je ne sais pas, moi, est-ce que par exemple, voilà, vous êtes dans votre pays ici, il fait un peu froid, par exemple, vous êtes en France ou en Belgique, le climat c'est peut-être pas trop votre truc et vous avez peut-être envie de vous expatrier par exemple dans un pays comme Malte, par exemple, ou comme l'île Maurice, ou comme les Antilles, ou peu importe. Ou alors simplement voilà, de vous acheter une villa dans un de ces pays-là et de pouvoir y aller en vacances tranquillement. Alors ça c'est un très beau pourquoi. Ou alors simplement, est-ce que votre pourquoi c'est tout simplement voilà, vous avez une maison, vous êtes content, mais vous avez envie de plus.
Moi je me dis souvent ça, voilà, moi je suis venu sur Terre et je veux profiter de la vie tous les jours, mais surtout genre ma vie la plus excitante possible, la plus incroyable possible, je vais faire des trucs de fou quoi. Et donc je me bats pour, c'est pour ça que je me suis lancé moi aussi dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, vous avez admis pourquoi quand même. Je me suis lancé entrepreneur, pourquoi? Pour vivre des expériences. Et si c'est ça pour vous, ben voilà, est-ce que vous par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que votre rêve ce serait par exemple avoir 1 million d'euros par exemple, voilà. C'est un rêve matériel, mais pourquoi pas, tout est bon. Votre rêve sur 1 million, ben, qu'est-ce que vous allez faire pour avoir 1 million? Quelles actions vous allez mettre en place pour avoir ce million-là? Ben, forcément, c'est un entrepreneuriat parce que du salariat à 1 million d'euros, c'est possible, mais c'est très compliqué. Donc voilà, le pourquoi, et c'est super important de, avant de se lancer, par exemple dans le marketing de réseau, et peut-être dans l'e-commerce, etc., c'est de savoir pourquoi on se lance. Pour justement, quand c'est très très dur, bah, ne pas abandonner en fait, tout simplement. Votre pourquoi, c'est ça, de vous accrocher à ça. Et alors, ce qui est important aussi, c'est de faire un vision board. Donc en fait, en gros, c'est un tableau avec tout ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez par exemple une Mercedes CLA, bah, vous mettez, vous prenez sur Google, vous tapez Mercedes CLA, vous prenez l'image Google, vous l'imprimez, vous la découpez, bah, hop. Vous voulez une famille avec 2 enfants, bah, voilà, vous mettez le visage, là, votre copine idéale, par exemple, vous tapez, je sais pas moi, métis, cheveux crôlés, métis, cheveux crôlés, et alors bah, vous découpez, etc. Tac, vous prenez, vous le mettez, vous voulez 2 enfants, bah, voilà, mettez une famille avec, par exemple, de dos, bah, vous. Enfin, vous ne serez pas vous, mais un homme, une femme avec 2 enfants qui tiennent la main, voilà par exemple. Il y a une belle grande villa, ben, prenez une belle villa sur Google, etc. Donc vous faites un beau tableau comme ça et c'est vraiment le vision board, le dream board par exemple, voilà, votre vision, votre cadre de vision. Et comme ça, voilà, vous l'accrochez dans votre chambre ou peu importe. Et comme ça, chaque jour, moi je l'ai mis dans ma chambre, et chaque jour quand vous vous réveillez et quand vous endormez, c'est vraiment la première chose que vous voyez, la dernière chose que vous voyez. Et c'est important parce que ça va vraiment vous visualiser, oui effectivement, vous visualiser vers vos rêves, et donc voilà, et c'est, ça fait partie du pourquoi aussi. Donc voilà, c'était la vidéo sur le pourquoi, j'espère que vous avez bien compris, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup d'informations, mais c'est important d'avoir un pourquoi, très 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 important, voilà.